Motonga lo yakae. Talanga tu embe anoto ke la kie. Oh, anzanga moko e. Kolanda Yesu. Kunana lula e. Kunana lula bise. Tu peux avoir les maisons. Celui qui guérit les cœurs brisés. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois notre reconnaissance du matin. Hosanna. Hosanna. Merci Jésus, que le Seigneur soit loué. Pour le coup, Misama. Il est tellement bon. Azali Penza, ma lame. Oh, j'aime ce genre de moments. Oh, na sepe la kanabangonga boye. Passer du moment dans sa présence. Collègue Sambangonga Penza, na boza seminaye. Ouh. J'ai envie de continuer. Nazala posa tokoba. Rien que l'adorer. Kaka kogumba melaye. Oh my God. Oh, Nzambe Nangai. Nalole ozala terrible. Somo. Soyez bénis. Pupambulama. Et vous êtes la bienvenue à l'église La Joie de l'Éternel. Peboye malamu na Ecclesia La Joie de l'Éternel. Dans sa paroisse de Centre Osé. Na Centre Osé. Alors nous disons c'est Christ qui sauve. Atokuba Christ tunde akobikisa. Hier c'était terrible, beaucoup sont nombreux, je ne sais pas s'ils doivent vraiment être fatigués. Parce que ce qui s'est passé hier, est-ce qu'on peut acclamer la retraite d'hier? Oui. Non, senti ma camon zamba la kanga modèle comme un coco qui s'amène la vie à battre. Amen. Yes. Alléluia. Amen. L'interpréteur est déjà appuyé. Oh mon pénis, mon désir finami pour pela. Amen. C'est notre kit d'action de grâce. Nous passons notre temps à adorer le Seigneur. Et nous donnons le message qui va nous conduire tout le mois. Nous sommes connectés avec tous les enfants de la joie de l'Éternel du monde. Et avec nos paroisses. Le premier festin d'annonce de ce mois. Parce que nous, nos cultes de dimanche sont dénommés les cultes de festin d'annonce. Alléluia. Parce que nous venons pour fêter à la gloire du Seigneur. Amen. Amen. N'est-ce pas l'endroit où on se fait beau et belle, c'est quand on part dans la fête. Et nous, chaque dimanche, nous avons la fête à l'honneur de notre Dieu. Alors, yébi sa voisine en bonne fête. Bonne fête, tombe la yé, teke l'amour. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je suis une mère joyeuse. Parce que j'ai mes enfants qui sont venus, je vais vous les présenter. Alléluia. Amen. Il faut être celui qui donne la joie à ses parents. Et nous aussi les parents, nous avons les devoirs. Yo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer vieux Shabbat? On a tata Shabbat. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu est bon. Bien aimé, aujourd'hui on va donner l'enseignement sur notre thème. Parce que je veux que c'est moi que tu puisses prier avec connaissance. Le mois d'octobre, c'est le mois d'accomplissement. Ce matin, il y a même un témoignage, j'étais avec papa. Il y a votre oncle, l'évangéliste Ernest Mongu.
Depuis la nuit, le Seigneur lui a commencé à lui dire non, c'est le temps d'accomplissement des promesses. Même le matin, quand Dieu lui a parlé d'accomplissement, mais il n'avait pas préparé le message. Il était parti à l'émission à l'IPEN. Et là, son véhicule a connu un problème. Et d'un coup, il a eu faim. Il m'a appelé, maman, est-ce que tu es à la maison? J'ai très faim. Il faut que je mange quelque chose. Je vais passer par chez vous. Et je suis sorti moi-même, j'ai préparé le déjeuner pour lui. Parce qu'il est particulier. J'aime servir les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je reçois toujours une bénédiction. Et ça, c'était l'un aussi des secrets que Yamaramosan Nzambe Pambati. Il faut les recevoir avec empressement. Si tu sauras Yesika Yozala. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sont des alliances qui bénissent. Présence à Moutou Nzambe Bimisaba, démons et Sakinandak. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, parce que nous marchons avec l'arche de Dieu. Et j'ai commencé à lui dire, non, moi j'étais en train de préparer le message, parce que le Seigneur m'a dit depuis le mois de janvier que ce mois était le mois d'accomplissement. Et quand il m'a partagé le témoignage, j'ai commencé à lui donner les et je me suis dit, c'est que le Seigneur a une mission pour ces mois. Alléluia. Amen. Donc il va accomplir quelque chose dans ta vie. C'est pas pour rien, il a voulu que tu puisses écouter ce message. L'accomplissement de ses promesses. Josué chapitre, nous écrivons Josué chapitre 23, verset 14. Hébreux chapitre 11, verset 11. Jacques chapitre 5, verset 11 aussi. Je recommence Hébreux chapitre, Josué chapitre 23, verset 14, Hébreux 11 et verset 11, et Jacques 5, verset 11. Amen. Amen. En tout cas, vous devez faire l'effort de venir au culte avant. Imaginez que le moment d'adoration comme c'est l'équipe. Yo zala kite. Yo zo zwa kite ndambo za rozwi kire ndambo. Ndambo mususu rate. Et Dieu bénit ceux qui viennent avant. Kola pambola ba iwa yaka penza na ngonga. Ndama pambola biso. Amen. Nous allons lire Josué chapitre 23 verset 14. Tukutanga na buku na Yoshua mokapa tu mbaina misa to talatala ya zumi na mine. Honorons la parole du Seigneur. Tomemi ali lobana nzambe telemi. Josué, chapitre 23, le verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, Tala. Je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Na kei, na zela, oya ba inyo sur mon kili. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme. Qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, ne restez sans effet. Toutes ces sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. La parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Les autres versets, nous allons lire au fur et à mesure que l'enseignement avance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ces versets? Là, c'est Josué qui parle. Je vais revenir là-dessus. Mais regarde. Tous les mois de septembre, le Seigneur nous a parlé sur la révélation de la parole. Qui
nous éclaire pour que nous puissions entrer dans la nouvelle alliance. Il y avait la place à la révélation de la parole. Bien aimé, je ne veux pas que tu puisses passer ce thème si tu n'as pas encore eu la révélation de ta vie, de ta famille. Tu dois continuer à entrer en prière jusqu'à ce que le Seigneur vous révèle. Ce matin, j'ai continué à recevoir des témoignages terribles. Il y a un de mes enfants qui m'a dit: maman, j'ai rêvé que je partais avec mon frère, mais j'ai trouvé des statues. Comme les statues de Lumumba. Mais les statues qui parlent, les statues qui parlent. Et il était étonné pour dire: mais comment et que Kozoloba? Et deuxième fois, il a vu qu'il y a Bruno. Et il y a Bruno, a joué dans un taxi, Bakena, le frère Jurès. Il arrive encore, il trouve les deux statues. Et l'autre statue parle, bouge. Alors il pose la question à Bruno: mais frère Bruno, tu as déjà vu un statue qui parle? Alors le frère Bruno lui a dit dans le rêve: c'est vous qui nourrissez ces statues. C'est pour cela que vous leur donnez la force de parler. Alléluia. Amen. Comment on peut nourrir un statut? C'est que c'est les affaires de votre famille. Alléluia. Il n'y a pas moyen que j'entre dedans. Bien aimé, chacun de nous, tu dois retrouver la révélation. Alléluia. Amen. Pour comprendre et recevoir la pluie de bénédictions. Quand la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. Sans la révélation, il n'y aura pas de délivrance. Ce matin, on parlait avec papa. Imaginez que tu as une mère qui avait accouché dans la maternité. Mais Bachanza qui est moine. Il y a une famille comme ça que je connais. Maman a bota qui moine. Maintenant, elle va bébé à qu'est-ce qu'on va changer moi. Moutoumso a bimi na moana. Et ça, moutoumso a bota moi, moi si me Bachanza va passer moi là. Si quoi, oye, mais t'es pas au Kendaka. Est-ce que réellement maman n'a pas. Donc tu peux vivre les ordonnances qui n'appartiennent pas à la famille où tu te trouves. Combien de mamans baba bazemia? Tu connais que cette grossesse là n'est pas cet homme, mais tu as donné cet homme, cet enfant. Et l'enfant est en train de prier pour les liens d'une personne qui ne connaît pas, qui n'a pas les affinités avec son sang. Bien aimé, tu as le devoir de prier. Tu dois réellement prier. Il y a un aussi qui m'a envoyé le message le matin. Il a vu sa maman à l'opération, qui avait beaucoup de sang dans son ventre. Mais réellement, après la révélation, on lui dit que ce n'était pas ta maman. La personne que tu as vue, c'est toi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui te croient toi, mais en réalité tu portes toute l'identité de ta mère. Tu es en train de ne pas vivre ta vie, mais tu vis la vie de l'autre. Il faut la révélation pour que tu passes à la délivrance. Alléluia. Amen. Imaginez un peu un enfant qui est issu de l'inceste. Sa vie sera comment?
Toi, tu là, papa, il y a une famille, tu vois que c'est les grands frères, les nés. Papa avait plusieurs femmes. Et quand papa est décédé, l'enfant de la première maman a marié la maman, l'autre maman, la maman de leur sœur. Kouti malé pas la bisseza. Ils ont compris. Amen. Donc il y a un abino, il s'appelle papa l'abino. Ah papa bandeau, donc vous êtes dans l'inceste, ok, dans des familles d'inceste comme ça tu verras. C'est là où règne la stérilité. C'est là où règne la mort. C'est pour cela qu'il y a plusieurs morts au milieu de nous. Amen. Les morts précoces. Il y a quelqu'un qui a commencé à haut, qui se trouve en bas. Parce qu'il y a la mort matérielle. Parce que quand on dit que tu mourras, quelqu'un qui a eu des rapports sexuels avec sa sœur, alléluia, avec la sœur de sa mère, il y a des personnes où il vient dans une famille, dans une maman, dans moi. Mais que dit la Bible dans ces choses? Mais à cause de ça, Dieu n'a pas refusé de te sauver. Mais il a accepté de te sauver. Mais tu dois connaître la vérité pour renoncer à ces liens et passer à la délivrance. Parce que les choses qui arrivent dans ta vie ne sont pas normales. Alléluia. Amen. Et toi-même, tu dois chercher la révélation. Et c'est le que mon esélé. Au col babatu bayina kanga baboya kanga non, ça batuté. Il y a quelque chose. C'est le loko songolo qui s'est fait. Les osalema. Comment tu as travaillé, c'est les autres qui viennent recueillir les résultats. Osalipe batu musunde ba kokuka. Je dis à quelqu'un. Jamais. Atama bato ba obuka kana bilanga la yo. Amen. Jamais. Bato ba kozwa ka salaire na yo. Amen. C'est le temps où c'est le temps où tu dois récupérer ce qui est à toi. Est-ce que tu comprends? On avait donné l'exemple hier. Mardoché a donné la révélation pour épargner les rois. Normalement, la personne qui devait être récompensé, c'est Mardoché. Mais sa position de l'esclave ne lui a pas permis de recevoir une récompense. Alléluia. Amen. Mais quand il s'est levé à la prière pour chercher le Dieu et la loi qui chercha à le tuer, la prière a changé cette loi. La prière a fait tomber les ordonnances d'Aman. Je dis à quelqu'un, par la prière, tu vas faire tomber toutes les ordonnances négatives. Par la prière, je vais récupérer ce qui est mien. Est-ce que mon témoin Golo Balanzela, Nanzela, le Sambo, Nanzela, le Sambo, Ngai Michel Chaba, Ngai Edimbili, le Nako récupérer Nyosoyanga, Nako récupérer Nyosoyanga. Bien-aimés, soyons sérieux avec l'Éternel. Tout dans la alima na Yahweh. La vie que tu fais, ce n'est pas ta vie. Bon, mon copie, que ça y a yoté. Ce n'est pas ta vie. C'est bon, mon yoté. Comment? Tu peux avoir un homme, un enfant qui ne s'occupe pas de toi. Tu as souffert avec tes enfants. Et aujourd'hui, il gagne. Bon, il ne veut même pas te voir. Ce n'est pas l'enfant. Il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la révélation. Amen. Amen. Car il y a la révélation. C'est alors que tu peux traiter une nouvelle. Alliance. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la révélation, il a prié le roi de la musique. Toquer la prière.
Amen. Il y a des choses que tu dois mettre en tête. L'église, ce n'est pas un passe-temps. C'est le dernier endroit où même tu avais échoué partout. Mais tu dois récupérer tes échecs en réussite. Alléluia. Amen. Soyons sérieux. Amen. Amen. De la mise en pratique. Des accords. Ça permet à ce qu'une personne puisse maintenant vivre l'accomplissement. Parce qu'après la révélation, on traite une nouvelle alliance. Alléluia. Nous signons un contrat avec le Père. Alléluia. Amen. Parce que le premier contrat était imposé. Pour contrat liboso et pesama qui na makasi. Obimina liboto okana kité. Okutela makambo okana té. Voilà. C'est-à-dire c'était imposé. Bon, mais maintenant que tu as la connaissance. Ça imposa na boyebi. Ah, okopona. Amen. Merci. Okopona. Aha. Ya so ningo pona vie échec oponi. Mais nga, on tika le pona vie échec té. Amen. Alléluia. Amen. Choisis. C'est pour ça que Dieu nous dit que choisir la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les contrats nous racient. L'accomplissement des promesses de Dieu. Toi aussi, de ton côté, tu as des devoirs. Alléluia. Amen. À accomplir, à faire. Pour que l'exécution du contrat. Pardon, pour vivre l'exécution du contrat. C'est pour ça que tu dois veiller. Pour ne pas briser les accords. Parce que quand tu as la révélation, tu traites l'alliance avec Christ. C'est-à-dire tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et que tu commences à marcher selon les principes qui régit le contrat entre toi et Christ. C'est ce qui va faire que tu puisses bénéficier la faveur de ce contrat. Lisons Hébreux chapitre 10, versets 22 à 25. Totangi, bukuna ebel mokapo ya zomi. Hébreux. Chapitre 10. Bukuna ebel mokapo ya zomi. Hébreux chapitre 10, le verset 22 à 25. On va avec toi. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Est-ce que vous comprenez? Comme un souverain, sacrificateur, mon conduit, mon aîné. Sincère, solo. Come on, ma fille. Dans la plénitude de la foi, nakati abosali sanya kondima. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, motema biso elongola makamonyoso yanini ya mabe, et le corps lavé d'une eau pure. Pe nous autres abiso epeto la mina mayo penza ya peto. Retenons fermement la profession de notre espérance. Et Sengeli, to batela le mosala na biso to simba yango penza, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Pote oyo ala kaki, celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Tu comprends? Amen. Nous devons veiller les uns sur les autres. Pour que nous puissions mettre en pratique et vivre dans les bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc ici, on est en train de donner les conseils pour vivre
cet accomplissement. C'est-à-dire quand tu t'approches, tu dois t'approcher auprès de Dieu avec un cœur sincère. C'est toi qui manque la foi. Parce que Dieu te fait des choses auxquelles tu dois t'asseoir, qui vont faire asseoir ta foi. Il va te laisser. Très bien. Tu penses aussi ok au bel issue à yele suto sambel ok so yibi ba beti o kuno kutani la maye ba beti o nanzela mo yibi ba mama lio ba keko telonga batine lo mbasu siko yo yebi so sambel aïe. Non, un jour Dieu va t'abandonner. Parce que tu n'as pas compris son appel. Ok. Oh yes. Merci. Comme modèle de l'exemple à suivre. Amen. Quand Dieu te donne les occasions, il faut profiter de ces occasions pour être réellement sérieux. Parce que tu dois retenir que quel que soit tout ce qui peut se faire, l'homme qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est ici la clé. La clé de l'accomplissement. Écoutez les mots accomplissement. Combo oyo accomplissement. Sa définition en français c'est quoi? Limbola na yango na le français zali. C'est réalisation. Zali ko. Sala oyo c'est des actions. Na misala d'accomplir. Ya kokokisa. Ou de s'accomplir. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous dit que c'est le mois d'accomplissement, c'est pour dire que Dieu entre maintenant pour commencer à réaliser les actions qu'il a promis sur toi. Alléluia. Amen. Mais kasi, il faut que toi yo, tu puisses aussi s'accomplir. C'est ça l'accomplissement. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose à une personne qui n'est pas prête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu prêt? Bonio, l'engelami. Tu dois te préparer pour vivre l'accomplissement de Dieu. Alléluia. Amen. L'accomplissement. Il y a la part de Dieu. Il y a aussi ta propre part. Pour que tu puisses vivre le témoignage de Jésus-Christ. Je n'aime pas les gens qui donnent pendant la parole. On dirait qu'on peut se faire bisous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà, mon Satan, mon mais son bête ma solo là la raté maman. Vraiment. Animatrice. Voilà maman abyss.
Alléluia. Amen. J'aime mes parents. Merci Bakoko, merci Makoko. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Papa n'a pas de maman. Aïe, ma pépi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est une grâce d'avoir ces gens vivants. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Vivre l'accomplissement, il y a trois vérités que nous devons comprendre pour ce mois. Est-ce que quelqu'un peut dire accomplissement? Accomplissement. Amen. 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 De banal et l'autre, on a qu'à vivre la prophétie. Amen. Et la prophétie réelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ça, quand tu as la catata, tu as la mosée à Kangayo. Non, la mienne. La vraie prophétie, c'est cette parole qui est annoncée. Amen. Et la mise en pratique de cette parole, elle libère des grandes choses. Écoutez, il y a trois vérités que tu dois écrire. Première vérité à comprendre, que c'est que le Seigneur m'a enseigné. Aucune, depuis la création, aucune promesse mon côté n'est resté sans effet. Yabilaka o ezangi kokokisama. Depuis la création, uta kokelama. Depuis que Dieu a créé son monde, uta nzambe kelamo kilinaye. Tout ce qu'il a donné comme promesse, nioso oya pesa lokola. Ça se réalise toujours. Yango kokisama kakaka. C'est pour cela que Josué chapitre 23 verset 14. Et nous allons aussi lire le verset 19. Le verset 14, on avait déjà lu. On dit, toutes les paroles que l'Éternel avait prononcées n'est resté sans effet. Là, c'est Josué qui parle à son peuple. Et Josué avait 110 ans. Alléluia. Quand Dieu veut la lever au ciel, afin d'ici le bout de la vie, et là qu'on est Nzamba Saloba, on a tika la salade. Amen. A la kaka biso, a kolon on a biso na wap, na Egypte. Nga Josué na bota mate. Alléluia. Amen. Nga Josué na bota mate, mais le baka l'on a biso na Egypte, on a biso dans le pays où koulele. Et le miel. C'est-à-dire que même Moïse était parti. Mais la promesse est restée. Parce qu'elle a été calée. Très bien. Alléluia. Amen. Donc la promesse ne part pas même à Tamtakoufa. Amen. Donc je dis à quelqu'un, même si tes parents sont partis, les gens sont partis, mais la promesse est que Dieu a établi pour votre famille, elle est là et tu vas le vivre. Alléluia, parce que c'est pas Moïse qui a fait entrer les enfants d'Israël à Cana. Alléluia. Amen. Mais c'est Josué, et Josué n'était pas le fils biologique.
de Moïse était l'enfant spirituel. J'ai dit à quelqu'un, tout ce que Dieu m'a dit en tant que votre mère spirituelle, ça va se réaliser. Tu vas vivre ça. Alléluia. Amen. Que je sois auprès de toi ou non, tu vas vivre cela. Tu dois t'accrocher. Aujourd'hui j'ai foi. Tout ce que j'ai parlé avec papa et maman là, un jour il avait dit à mon mari, ok, très bien. Et aujourd'hui ça s'est fait. Nous sommes les parents de plusieurs. Et je dis à quelqu'un, nous sommes la génération de Josué. Oh, et si Moïse a coma, qui t'a mis au coma, je te dis que tu vas arriver. La prophétie va s'accomplir. Alléluia. Amen. Ça ne va pas rester sans effet. Le Seigneur m'a dit de dire à une personne, Dieu t'avait dit que tu te marieras. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu avait accompli. Dieu avait dit que tu feras ceci. Alléluia. Amen. Tu okobonga, oh bonga. Obonga. A toi somme la kobonga, ngote yo tia la mutu ke lansa nini. Na obonga kaka ngai. Vivre la salle à l'obaba tout te. Merci. Comment la haut somme la terre. Très bien. Ayez confiance que ce que Dieu a dit. Ça se fera. Est-ce que mon tombeau a compris? Il va lancer un qu'elle aura sans fêter. Jamais. Aloba okobota et barosanine. Okobota. Wow. Première vérité, c'est ça. Solo avec Bosso Zawana. Mais la parole de Dieu ne reste jamais sans. Hein? Alléluia. Amen. Nzamba la kisara mkolo mongo zo matavio zo kende o kende ango. O kende. Na o kende ango. Ala kisara o matina ba imeble. O zo katsa. O ke o mata ba imeble. Na o mata yango. Alléluia. Amen. Ah oui. Dieu nous avait dit un jour dans mon tableau, bah, tiens, là, bah, que les parents de prisonniers. Et il y avait des pays, il y avait des villes américaines, il y avait l'Europe, tous les enfants partout. Aujourd'hui, j'ai des enfants partout. Alléluia. Amen. Pour que la Cameroun, nous avons la joie de l'éternel, les bananes, par Darlene. Mandela Darlene. Alléluia. Amen. Quand je suis en Amérique, oh, dans la Amérique, c'est mon fils, moi et mon mari. Alléluia. Amen. Je lui avais dit que le Seigneur m'a dit que tu seras pasteur. Na phrase de servir une église. Et le Seigneur lui a dit, je te donne des parents. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur. C'est un homme qui n'a pas été le Seigneur. Américain. Amérique. Ah. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Ceux qui sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ceux qui 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 sont en train Attends, comment ça s'occupe de son malheur? Oh là là. Alléluia. Tu manques la révélation. So zange moni seli. Tu ne connais pas l'alliance qui engage les hommes de Dieu. Oui, bite boyokani, oui, landi sami na batu na zambe. Alléluia. Amen. Koyokate pour ata malala pamboya kala ngona ndakote. Aïe. Alléluia. Amen. Non, pour faire quelque chose, il faut être révélé. Alléluia. Amen. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il y a des délivrances que tu peux recevoir. Que par les données. Alléluia. Amen. Ma délivrance yo sur barabashinda baté. Bashinda bara musuba langa musweza kalokuta. Yes. Outo sale kobo ribo bobo. Oh la la. Alléluia.
Seigneur, le Seigneur me montre Rikababa. Non. Ce sont les œuvres qui vont déterminer. Ça c'est un ordre de Dieu. Alléluia. Ce sont les œuvres. Oui. Le kuta le voilà yo. On nous accomplissement ça. Des doigts. On le kota bachon moti une église. C'est quoi? Hokati yo zano karachega propre. Ah. Différence dans la libel ou alibana pour aller la alibana pas sur la. Na délestage. Mais yo au sukola. Tu as rappelé parfait. Mais on a chégué dans quatre esprits. Non. Macambo. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pour là, beaucoup déjà, il n'y a pas moyen de vivre ce que Dieu a dit. Bato ebele, makokite ezali, kopika onza balobi. 19 balobi nini? 23, 4 Josué. Hein? Pardon? Non, c'est ce qui est dans 16. Alors, là, les versets qui parlent que Dieu ne ment jamais. 24. Oui. 24 et 19, c'est ça. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est un dessein. Non, c'est pas ça. Là où on parle que Dieu ne ment jamais. Ça va venir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Deuxième chose, ça vient. La promesse ne connaît pas d'âge. Et la ka eyebim voulate. Ne regarde pas l'âge d'accomplissement. Ni l'état d'une personne. Ni la famille. Ou l'apparence. Ne dépend pas. Alléluia. Amen. De la promesse de Dieu. Pour s'accomplir. Ne dépend pas. De l'âge. Ou d'état d'une personne. Ou soit tu sors dans quelle famille. Alléluia. Amen. Quelle que soit famille à Kindoki. Quelle que soit famille à malédiction. Yes. Mais quand tu te mets dans la parole de Dieu. Et que tu vas commencer à exercer que la parole de Dieu. Automatiquement. La promesse va s'accomplir. Alléluia. Amen. Ah oui. Elle va s'accomplir. Kokokisama. Bisonem tout au tardaka, promesse. Yes. Nous lisons Hébreux chapitre. Totengina, Ebele. Hébreux chapitre 11, versets 11 et 12. Obna Ebele mon kapazom na moko talatala pe, yazom na moko kino, zomi na mi balé. C'est par la foi que Sarah elle-même. Nanzela ko demandé Sarah yemoko. Malgré son âge avancé. Ata ko vula ne pusanaki. Fut rendu capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà isé de corps, naquit une postérité nombreuse. Comme les étoiles du ciel. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et qu'on ne peut compter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que la parole de Dieu nous dit? Ça nous parle. Regardez l'état de Sarah. Elle avait déjà 90 ans. 90 ans. Mais. Kasi. L'homme qui a fait la promesse est fidèle. Moto a pensé que la ka aza sembo. Malgré son âge avancé. Ata kon vula na ye pusanaki. Comme Dieu avait dit que tu auras la postérité. Loko la nzamba lobaki na ete okozwa bokitani. Et Dieu a fini par comprendre. Nzambe a suki se kokokisama. Pourquoi? Parce que Sarah avait crié. Pote Sarah yandimaki.
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui manquent l'accomplissement de la promesse. Parce que nous manquons la foi. Alléluia. Amen. Nous manquons la foi. C'est-à-dire, je peux t'imposer même les mains et les pieds. Si tu n'as pas la foi, tu ne recevras rien. Alléluia. Amen. Ne vois pas impossible ce que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute quoi? Il ajoute quoi? C'est pourquoi d'un seul homme. Déjà, ils aient des corps naquit une postérité nombreuse. L'accomplissement d'Abraham était venu dans une personne qui était usée. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Je prophétise si quelqu'un. Le Dieu d'Abraham reste le Dieu vivant. Si tu as la foi avec le Dieu que je te prêche, c'est moi, ça sera un mois de miracle pour toi. Dieu ne va pas regarder ton corps. Dieu ne va pas regarder ce que les médecins ont dit. Mais c'est la révélation qui va t'accomplir. Attends, et cela au nom de Jésus Christ. Attends, au quoi qui a zéro, le Seigneur te promet. Aussi longtemps tu es à ses pieds, non, tu ne vas pas échouer, tu ne vas pas mourir. Même si tu es passé par n'importe quel corps, Dieu va te donner la vie. D'ailleurs, tu resteras avec les témoignages. Très bien. Amen. Oh, je dis à quelqu'un. Oh, Dieu change les paroles des hommes. Contre ses paroles. Il est la loi de l'esprit de vie. Il engloutit la loi du péché. Et de la mort. La bonne nouvelle que je te donne. En ce mois d'octobre. Dieu va engloutir la force du péché. La force de péché de ta famille sera engloutie par la loi de Dieu. Yes. Yonde bato ya kobonga libota oyo. Yonde bato ya commandement. Nazola ba moto moko, je libère cette pensée. Je reçois au nom de Jésus. Bafanda. Bakoya na libala na yo. Parce que c'est le temps d'accomplir. Alias c'est son traité. Dieu ne te voit plus dans le sang de tes parents. Il est en train de voir son alliance. Oh yes. C'est son alliance qui crie. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen trois fois? Amen. 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 Yahweh. Alliance na yo. Alliance na yo. Ezo ganga la makila langa. Ezo ganga la kila langa. Non, ye biso so ki alliance ba koke ganga la makila la yo. E me maka blocage. E me maka échec. E me maka liwa. E me maka célibat. Mais l'alliance de Dieu. Ça va amener le mariage. Ça va amener la guérison. Ça va amener la longue vie. Ça va amener la santé. Ça va amener la restauration. Ça va amener les changements.
Alléluia. Amen. Rebo Shaka Baba. Oh my God. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Zamba zamo tote pour quoi ça? Ni le fils de l'homme pour se repentir. Pour il n'est pas un homme. Bien aimé, la parole que je prêche ici, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu vivant. Je te dis, Zamba au kosote. Amen. Zamba au kosote. Amen. Oh, oh, la kaye koko kisama. Amen. Ben on y ebiso sanzo ndezo kokisama. Amen. Oh, oh, sanzo oh, oh, kaka. Oh, oh, oh. Est-ce que votre mère sait comprendre? Très bien. Non, il y a des amen. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose. Que son commencement. Tika batika la masolo akala. Ok. Mais yo so kota makolo solo ya. Yasika. Baya bakolo baka azalaka. Tomona kaye. Asala kaboye. Ye azala kaboye. Ye koutou. Mais baye bite kosi o komi. Yes. Ah, j'ai dit à quelqu'un. Osa isu azalaka te. Osa isu wanate. C'est le temps d'accomplissement. Et si na komi fiancé, okay. Bientôt na zobala. Merci. Et si na longwe sula, aha. Et si na longwe ndumba, ah. Et si na longwe, longwe. Ngai mokonde na yebi. Amen. Oh Yesu, nga mokonde na yebi ango. Ino bomona libanda bo yebite. Alléluia. Amen. Ngai mokonde na yebi. Très bien. Dieu n'est pas un homme. Zamba za mototé. Pour mentir. Pour nakokosa. Ni le fils de l'homme. Pour se repentir. Pour nakouangana. Des versets dans Hébreux chapitre 6 verset 18. Et bien, la Bible dit tomba, en fait que par des choses immuables dans laquelle il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Bien aimé, je suis venu vous proposer l'espérance. Dieu était le seul refuge. Et il ne ment jamais. Alléluia. Amen. Non, non, quand on a la prophétie, on doit quitter. Amen. Change le langage. Ne dis plus que dans notre famille. Tout ça, la caboye. Non, parle Dieu. Le ban Zambé. Il fait ça. Ne dis pas mon père. Ne dis pas ma mère. Il était. Non, non, maintenant Dieu. Avec moi, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Oh, je dis à quelqu'un, je libère l'accomplissement dans ta vie. Je libère l'accomplissement dans ta vie. Oh, nanga ba memeli photo à moto. Pe a baby si liba la bato. Maintenant, zoye bisayo ta liba le beba. Amen. Oh, yes. Et si qui se travaille ka? Non, pas toi la bataille, non, ça va kanga baron la bakis. Amen. Non, bimisa baron la ndaka banganga. Amen. Non, pèse et conscience na ye. Amen. Parce que c'est le temps d'accomplissement. On convivre sur la colère la terre. Amen. On colère la sous papa la binote. Amen. Quand tu es un père, tu dois vivre selon l'héritage du père. Quand tu es marié, le désir de la femme sera porté vers son mari. J'ai le mari. De briser les relations mystiques. Oh, oh. Toutes sortes de relations. Ouais, je m'impose sur l'envoûtement. J'établis l'autorité de Dieu. Ce qui est à toi ne sera pas arraché. J'ai dit à Aman, il est temps de perdre le poste qu'il occupe. Parce que ce n'est pas sa place. Ce n'est pas lui qui avait révélé sur les lois. Tu n'avais pas étudié pour échouer. Je libère tous vos diplômes. Même si les paroles négatives ont parlé sur ton diplôme que tu n'auras pas le travail, c'est le mois d'accomplissement. Je libère le travail. Nous ne vivons pas selon le monde. Nous ne vivons pas selon l'alliance du monde, mais nous nous vivons selon l'alliance divine. Alléluia.
Troisième vérité. Solo ya misato. Alléluia. Il n'a pas l'alliance, l'accomplissement. Pardon, l'accomplissement n'a pas une forme exacte de se réaliser. Cela dépend d'une personne à une autre. Alléluia. Elle n'a pas une forme exacte. Cela dépend d'une personne à une autre. Que personne ne te compare avec quelqu'un. Et ne te compare pas avec quelqu'un. Tu es toi. Même l'enfant de ton père n'est pas toi. Alléluia. Amen. Même à l'église, c'est ça. Non, je ne suis pas tout le monde. Tu as une prescription. Très bien. Tu as un rendez-vous à un médecin. Tu as un avocat. Ok. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ça. Jacques chapitre 5, verset 11. Jacques, mon capa, mita no tata la zone dans mon corps. Jacques chapitre 5, le verset 11. Voici. Tala. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. Ta vie n'est pas comme les autres. Ton mariage n'est pas comme le mariage des autres. Alléluia, ne te compare. Ne continue ma papa qu'on ne comparera jamais mon bain dans ton sous. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu te maries avec un mungala qui n'a pas dit, sache que là tu sois bien. Bien. Mais prépare ton cœur dans les mandats. C'est-à-dire, il faut supporter son abîme. Il y a un divorce. Il peut donner à cause de la mari. Ok. Ça, je vous dis. Et ce qui est meilleur dans le Canada, même les parties meilleures, n'a pas ça la sani. Mais il y a des gens qui ont dit que les gens sani. Il part manger partout, partout. Il part manger partout, partout. Il part concentré.
Alléluia. Amen. Basi ebele mi basaka rentré. Kaka recevoir. Azwaka kaka. Je reçois au temps présent. Je reçois. Je reçois. Suko linga accomplissement abolinga kimya ndengeli. Ah, motuna. Parce que ngaso na ke na ville. Et là, quand il faut savoir que j'achète mon sol, je vois des cèdres de mon mari. Il avait dit même ça, la retraite. Il y a la retraite. Il y a un à son tour. Père, il y a un à l'ascenseur. Il n'y a pas une façon exacte de vivre l'accomplissement. Chacun de nous a sa façon de faire. Il y a Michel Bassi Moussou et Zarabamo. Ma verbe kaka. Maloba. Dieu est en train de la téléphone. Il faut sentir que papa est au linga kaye. Wande bouka rabiso ta foufou no tchè la yo. Ta tanzab. Alléluia. Amen. Oza, mon bala yem so tu es belle, ma femme. Abiso za ki to commencer na ngai. Jésus, odo, tu es préparé. Yo mi lenge la mi. Mais o gang la ko pam pam, o tia beauté, a ki payote. O sala boy, atale lo konté. A mon na lo ko mbonde mon bala ngalo bata ba o tala ngoma o tala. Ah, atala misu boy. Alléluia. Amen. Eh? Eh. Que n'a avancé. Avancez, maman. Alléluia. Bah non, balinga bitina, te quand tu aimes pas les bitina, il n'y a pas moyen de vivre l'accomplissement. Ah, ma coquise à Tobiga Koksama. Yo, quand tu n'as pas de mouille, mais tu as fait la papara. Jamais. Non, non. Moi, non, je suis un peu comme la responsabilité. A osoa place na yo. Ok. C'est pour cela que beaucoup des enfants légitimes ont perdu leurs droits auprès de leurs parents. Pourquoi tu manques la révélation? L'amour, même si elle est biologique, mais ça marche avec les actions. C'est-à-dire, il n'y a pas l'accomplissement sans les actions positives. Alléluia. Salaka, batini mon amusi yote, maman c'est un appel ça yo. Abando peso bien on a kunzu. Bande kono ba yebite yo asa salu. Appel ça qui yo. C'est ça la parole de Dieu. Yangonde lo balanzambe. C'est quoi l'accomplissement? Le moins la kunzu abatu kota tiko na kunzu anan. Yanzambe. C'est-à-dire, même si tu es seul, il faut que Dieu sente que tu l'aimes. Même si le pasteur n'est pas là, ton cœur doit te juger que tu es juste. C'est comme ça que l'accomplissement va arriver. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quelqu'un qui veut vivre l'accomplissement ne regarde pas le système exact. Quelqu'un peut quitter la souffrance directement et entrer dans l'accomplissement. Il n'y a pas qu'on juge jamais une personne par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Amen. Non, non, ne le juge pas. Les amis de Job ont commencé à juger Job. Est-ce que tu as péché? Bon, non, il fait cela que toi là. Mais, dis-moi si n'a le bien que c'est un ambassade. Alléluia. Oh, ribo shakayaba. Ok, l'accomplissement de Dieu. Il y a des personnes enseignement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, tu n'es pas une personne naturelle. Tu es une personne enseignement. Alléluia. Amen. Et comme Sarah, Isaac, il y a malade dans mon garanté. Ok. Et puis comme je suis dans l'hôpital, je suis là. Pour ça, je suis là. Na yo. Na yo. Oh, Yesu. Célibat, monsieur, et ça, ma yanza, mais là-bas, na, na yé. On croise à l'osambelaka, mais on suit combat le col à Job.
C'est pas que Dieu n'a t'a abandonné. Exactement. Non, c'est-à-dire parce que tu es une personne et enseignement. Dieu veut faire de toi une personne référence. Une personne référence. Alors une personne référence n'est pas comme tout le monde. Des fois, tu peux avoir une famille où tous les enfants, les petites sœurs, les petits frères sont mariés. Ont des maisons, mais toi l'aîné. Tout le monde a commis qu'il y a la bichassane. Ah ben la raté, c'est un aventurier. Celui-là, il chante des femmes. Oh que c'est pas toi. C'est pour cela qu'il faut savoir déterminer. Changer. La dimension de tes origines, des problèmes. Parce que si on y est, tu ne vas pas te traiter comme tout le monde. Amen. Et le jour où il décide, aucun sorcier ne peut empêcher la mère de Dieu. Le jour où il décide, il y a un homme qui permet à Moutouba de s'assainter. Il faut attendre mon amour à moi, ma peau, abattre mon ensemble. Ok. Mais sans monter en tasse, il y a un peu de ok. Tu vois, il y a un peu de pour ce coquin, si nous sommes que bon ensemble. Retraite pour qu'on t'aille sous soutien. Il faut qu'on t'aille retraite. Mais j'ai dit à quelqu'un le message que le Seigneur m'a donné. Il a dit ne regarde pas le débit. Ne regarde pas le présent. Mais concentre-toi. Concentre-toi à la fin. Ta fin est meilleure. J'ai dit à quelqu'un le demain de ta vie, ceux qui te négligent aujourd'hui changeront de langage. Ceux qui te négligent aujourd'hui témoigneront que tu avais un Dieu. Parce qu'il ne se répand pas de sa parole. Il nous dit ne regardez pas les débuts des hommes, mais regardez sa fin. La Bible dit tout ce qu'il avait perdu, il l'a reçu en double. J'ai dit à quelqu'un tu vas recevoir en double. Je dépose le double dans ta vie. Je dépose le double dans ta vie. Reçois le double prophétiquement. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. C'est le temps d'accomplissement. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir ses mains pour dire Seigneur, fais pleuvoir la pluie. C'est le temps que je te témoigne. C'est le temps que je vive ta gloire. Oh, je dis à quelqu'un, les gens vont vivre dans la confusion. Bénis le nom de l'Éternel. Élève tes mains, commence à remercier le Seigneur. Rebochaka baba, yende rebochika baba, yenda mama yaba. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.